C'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux. Non mais c'est pas faux. C'est vrai, je suis un agent du FBI. Alors oui, du coup la foutisée, la vision infrarouge. Voilà. Oh putain, on la voit mieux. C'est rare. C'est rare. Et ça n'empêche, c'est dingue. C'est dingue parce que un FMV comme ça, tu prends comme ça un truc infrarouge et tout. Enfin, c'est dingue quoi, vraiment. Bon, par contre, on sent que le jeu a pas été fait pour qu'on l'utilise H24 quoi. Clairement. Est-ce que j'ai mes deux trucs? Ouais, moi j'ai mes deux trucs. Du coup, nous allons ouvrir la caisse. Ah non, ah non, faut que j'avance encore un peu plus. Donc là maintenant, il va casser la caisse. Parce que j'aurais pas pu juste prendre la caisse, la balancer sur le sol, hein, mais non. Non, non, faut que le mec il fasse en mode RP avec un pied de biche. Il va tomber sur les chocapics, les fameux chocapics. Bien sûr, on va en prendre pièce de conviction. Oh, que c'est beau. Que c'est beau qu'on avance, putain. C'est beau à quel point on avance. C'est fou. J'aurais jamais pensé avancer comme ça en 3 heures, quoi. Non, ah, j'ai trop bougé. Oh mon Dieu. Alors là, on va voir le personnage le plus goldé du jeu. Attendez, on va sauvegarder. Ce personnage mérite d'être goldé. Voilà. Retour. Là, je peux vous garantir, c'est peut-être le personnage de tous les FMV. Vraiment, si un jour je devais faire un FMV, il y aurait forcément un mec comme lui. Votre nom, vous êtes qui? Du coup, là, regardez. Du coup, nous sommes avec le chinois en position Street Fighter. Il est prêt à me décoller une droite. Agent Wilmore, FBI, j'ai quelques questions à vous poser. Votre nom, James Wong. Bon, moi m'appelle Yang, moi venir de pays soleil levant. Ces entrepôts, que pourriez-vous m'en dire? Rien de spécial. Ce sont des magasins. Quand je viens là, je reste à quai. Il y a un tas de cargaisons qui vont et viennent sur ces docks. Il y a parfois des hommes armés. Ces temps-ci, ça bouge plus beaucoup, mais ça m'étonne pas étant donné ce qui se passe dans les environs. Il se passe quoi ces temps-ci? Les réserves de pêche s'épuisent. Moi, venir à Brick pour travail de pêche. Moi, aimer travailler dans la pêche. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel? Pas vraiment, à part le fait que les magasins sont plus déserts que d'habitude. Ce personnage est tellement goldé. La semaine dernière, vous êtes venu? Plusieurs fois. Et vous n'avez rien vu ni entendu d'inhabituel. J'essaie de rentrer chez moi assez tôt pour voir ma famille. Parlez-moi de votre famille. Pourquoi? Simple curiosité, j'aimerais connaître votre famille. Ok.
Une femme et une fille. Quel âge a votre fille? 7 ans. C'est jeune pour quelqu'un de votre âge, ça m'étonne. Je mange que du poisson. Votre femme est plus jeune que vous? Assez jeune pour avoir une fille de 7 ans. Vous êtes dans ce pays depuis combien de temps? C'est mon accent qui me trahit. Young, le pédophile. 10 ou 11 ans, je sais plus bien. D'où venez-vous, monsieur Wang? De Chine. Je suis parti de Canton en 85. Moi, venir du Canton. Moi, aimer le grain de riz. Comme dit l'empereur, un grain de riz permet de nourrir le peuple. Vous avez une idée sur le sang trouvé dans cet entrepôt? Non, un accident du travail, peut-être, j'en sais rien. Ce personnage, je l'aime, ce personnage. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non, qu'est-ce que c'est? C'est à moi de poser les questions. Ah, mais je me tâte à récupérer des images, enfin des émojis quand même. J'en sais rien, mais ça va très mal. Des gens pensent que c'est parce qu'on a trop pêché. Bon, par contre, ce qui est chiant, c'est qu'il faut que je les, il faut que je les traite avant quoi. Il faut que j'enlève les fonds moi-même. Et moi-même, je me pose des questions. Et moi-même, je me pose des questions. Quel problème de la pêche? J'en sais rien, mais ça va très mal. Des gens pensent que c'est parce qu'on a trop pêché. Ça dure depuis longtemps? Assez pour avoir découragé plein de monde. Les types s'en sortent pas. Et moi-même, je me pose des questions. Voilà, nous avons vu le personnage plus goldé du jeu. J'espère que vous êtes fiers. J'espère que vous êtes resté, voilà, pour je sais pas combien de vidéo. Parce que là, nous sommes avec le personnage. Nous étions. Je suis désolé. Moi, pas très bien parler le français. Nous étions avec potentiellement le personnage le plus goldé du jeu. 5 minutes later. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Rien du tout, mais je vous conseille de ne pas trop y toucher jusqu'à ce qu'on l'ait fait analyser. Ouais, il faut éviter de trop toucher, mec. Hein. C'est fou. C'est fou. À quel point ce jeu, c'est la vie. Suivi par cette voiture depuis qu'on a quitté le bureau. Qui est-ce à votre avis? Quelqu'un qui s'intéresse à ce qu'on fait. On fait quoi avec cette voiture? On va la caillasser. On va la caillasser comme au bled. Récupère le pied de biche, on va les enculer. Et ils savent pour Mulder et Scully? C'est possible, demandez-leur. Alors attendez, on va sauvegarder par contre parce que là je sens que qu'on avance. Là faut prendre une photo. Enregistrer. Oui. Retour. On va essayer de se la jouer RP. Appareil photo. Là voilà, j'ai pris une photo, Skinner. Bon, par contre, ça ramait un peu. Hein. Je crois que l'appareil photo est pas ouf. Je crois que l'appareil photo était pas ouf, Skinner. Bon, on va retourner à la branche. Et on va aller s'occuper de la plaque d'immatriculation. On va aller après les caillasser, bien entendu. On va aller la caillasser. N'empêche, je me suis toujours demandé la question, vraiment, est-ce que les mecs du FBI, comme ça, pouvaient aller caillasser des voitures? Non, parce que c'est vrai que ça peut être intéressant, quoi. Hein, est-ce qu'aux États-Unis, ils ont le droit de caillasser des voitures? Est-ce qu'ils peuvent se la jouer Tanner, quoi? Bon driver. Connecté. Réseau. Alors, numéro de carte grise.
Merde. Bah oui, bah d'un côté, tu m'étonnes. Gros, tu cherches des trucs. Ah, les courriers électroniques. On va aller voir les courriers électroniques, il y a de quoi s'amuser. Est-ce que j'ai des mails? Oui, j'ai des mails, putain! Putain, on arrive à un stade où je m'extasie sur des mails. Monsieur Wilmore, je viens de penser que vous devriez utiliser le réseau d'intelligence pour trouver le numéro de téléphone auquel on a appelé Scully Mulder. Si vous le trouvez, je vous suggère de vous rendre sur les lieux. Je suis désolé de ne pas y avoir pensé plus tôt. Chunk. Photo. Et là, je crois qu'on peut télécharger. Voilà. Et là, regardez, du coup, là, on avait la belle photo 240 EAC. Parce que rappelez-vous, hein, l'appareil photo, il était en 2 FPS, quoi. Hein. C'est les appareils photo de l'époque. Hein. What? Pêcheur? Oh putain, la vieille photo. Pourquoi avons-nous été suivis? Je n'en sais rien, mais ceux qui sont mêlés à cette affaire ne craignent pas le FBI. Il y a peut-être un lien avec le milieu. Peut-être un lien avec le milieu? Qu'est-ce qui me parle du milieu? Est-ce que le sang appartient à l'un de vos agents? On ne doit pas l'exclure. Mais j'attends les résultats du labo pour savoir à quoi nous. Je vous suggère d'en faire autant, agent Wilmore. Vous avez une idée pour la poudre noire? J'en ai aucune, mais il s'agit effectivement de contrebande, ce qui expliquerait pourquoi Mulder et Scully ont disparu. Ouais, bah oui, chercher les chocs à pic, ils ont dû tomber sur des mecs Il y a méchants. une relation avec la pénurie de poissons? A priori, je n'en vois aucune. Revenir bredouille n'est pas un crime. Parlez-nous de Yang le Chinois, moi m'appelle Yang. Vous pensez que Wang est impliqué? J'en sais rien, vous avez senti qu'il en disait moins qu'il en savait? Il nous cache quelque chose, je n'en doute pas. Moi m'appelle Yang. Directeur Skinner, on vous appelle sur la ligne 1. Ici Skinner. Je comprends. Je dois partir pour Washington immédiatement. Je vais apporter au labo des échantillons de sang pour les faire analyser. Je veux que vous fassiez surveiller cet entrepôt dès ce soir. Ces deux agents sont très importants pour moi. S'il vous plaît, les soirées barbecue seront plus pareilles sans Mulder et Scully. C'est beau. C'est beau, n'empêche Skinner hein, qui aime c'est larbin, parce que finalement c'est un peu ça quoi. Nous allons aller voir quelqu'un d'important aussi dans le jeu. Laboratoire criminel. King Country, machin, ok, 96. Le jeu se passe en 96, bien entendu. Ah, monsieur Wilmore. Content de vous voir. Ah, la Ça fait bonne époque longtemps. des noirs avec une voix Alors, ça va stéréotypée. bien? Je m'ennuie. J'espère que vous m'apportez de quoi me distraire. Je vais faire de mon mieux. Alors, qu'est-ce que ce sera? Alors, ça sera quoi? Le boulot est intéressant, c'est en... Non, c'est même fastidieux. Souhaitons que le FBI continue de pimenter mon existence. Ou alors, je te conseille des poivrons. Comment va ta femme? Je l'ai Ça va pas très vue bien. hier Ex. à la soirée libertine. Ça va, oui, elle donnera les gosses à sa mère pour les vacances. Et vous, ma femme? Non, vos ex-gosses. Mais oui, votre femme. Ça doit aller. En fait, ça fait un bon bout de temps qu'on ne s'est pas vu. Tu ne me dois pas un dollar. Vous ne me deviez pas un dollar? Putain. Pourquoi ça pour le match de l'autre fois? Je marche pas, je sais que votre collègue a triché. Cook? Oh, c'est pas le genre, je le connais très bien. Ne le défendez pas trop, ce mec. Tous mes collègues du labo le portent pas tellement dans leur cœur. Alors je vais te donner des pièces à conviction. C'est Ça du fait sang. sens, machin. Ouais. Félicitations. À quoi je dois comparer ça? Je saurais trouver son groupe, mais si vous n'avez pas d'échantillon d'ADN, je ne peux rien dire d'autre. Ça concerne
concerne quoi? La disparition de deux de nos agents. Ce sang peut provenir de l'un d'entre eux. Sale histoire. C'est au labo central de Washington que vous devriez aller demander. Ils ont en main la banque de données sur tous les agents. Ils vous répondront tout de suite. Tiens, regarde, c'est une balle que j'extrais du crâne de la réceptionniste. Extraction difficile. Oui, je l'ai sorti d'un morceau de bois. C'est ok. C'est ok. Putain, l'époque des voix stéréotypées, vraiment, ça me manque. Voyons voir. Une question pour débutants, ça. Je peux vous dire ce que c'est. Il s'agit de plomb industriel. Du plomb ? Il s'agit de choc à pic. Ouais. À quoi il sert ? Ça, j'en sais rien. Au petit déjeuner. Lester des semelles de scaphandre, isoler des rayons X, une camelote très banale, en fait. Est-ce que ça vaut la peine d'en faire entrer en contrebande ? Non. Ça n'a rien d'illégal, ni de sexy. Je ne vois absolument pas pourquoi quelqu'un importerait ça en fraude. Bon, ok, du coup, on va sauvegarder, on va save, parce que là, je crois qu'on va arriver à un moment donné, on peut mourir.